Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je reviens pour une wishlist un peu spéciale parce que c'est pas une wishlist genre de tout. Il n'y a que des sneakers dedans. Donc si vous n'aimez pas les baskets, je vous invite à faire au demi-tour. Je ne sais pas pourquoi je parle avec cet accent. Bref. J'aimerais déjà avoir une paire de Nike Classic Cortez Live. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est les toutes simples noires et blanches. Il y en a pas mal quand même déjà. Mais j'aime bien. Et en plus elles sont noires. Enfin, la couleur de base est noire et j'ai pas de chaussures noires noires. Et elles sont genre trop belles. Après elles sont basiques. Voilà. Après j'aimerais bien une paire de Reebok. C'est les X-Face Stockholm Classic Laser Spirit. Elles sont violettes. Ouais, violet pâle. Mais vu que j'ai pas de paire de ce genre là et que je me dirais qu'une violette pour le printemps et pour l'été, ça pouvait être pas mal. J'ai pas d'excuses en fait. Mais je les aimerais bien. Mais elles sont un petit peu chouette. Après, j'aimerais une paire de chaussures qui n'est absolument pas originale, n'est-ce pas? Ce sont les Puma by Rihanna, les Creepers. Et en plus je les vends en camel, je sais jamais. Dites le moi en commentaire, elle. Et de base, c'était pas trop mon genre de chaussures. Et en fait j'adore cette couleur de base. J'adore la couleur. Et j'aime bien la forme, j'ai aucune chaussure de cette forme là. Et je me dis que ça pourrait aller pas mal de choses. Donc, I think... Ceux-là, je les ai repérés, hein, mais en deuxième paire de Nike, ce serait des Nike Air Wash Premium Suede. Ils sont grises, un peu violettes, je sais pas trop, je sais pas quelle couleur ils disent. Est-ce qu'ils disent une couleur spéciale? Non, ils ne disent pas. Démerde-toi. Démerde-toi. Allure. Motif gaufré, non. Voilà, bon bref, elles sont un peu grises, violettes, un peu, enfin dans ce genre là. J'aime bien parce qu'elles sont claires et que je me dis que voilà. Alors de base, les Warash, faut savoir que moi je trouvais ça moche. Je trouve que ça faisait un gros pied et tout. Et en y réfléchissant, ce modèle m'a beaucoup plu. Et avec certaines tenues, je pense que ça peut être pas mal. Et après, ça serait des. Une paire. Non, mais alors là, Clara, c'est pas du tout original. J'ai déjà une paire de Stan Smith, vous allez me dire. C'est une des superstars, les superstars basiques, donc à 95€. Tout simplement parce que ça fait longtemps que j'en voudrais. Et que je me dis, une paire de plus, une paire de moins. Oh. Non, en vrai, c'est vrai, juste elles vont avec tout. Elles sont simples, elles sont blanches, noires. Du coup, en paire de Nike encore, ce serait des Air Max 95. Alors, je sais que ce modèle-là, il est pas apprécié de tout le monde. Genre, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et moi, j'aime bien. Et j'aime bien, et en fait, toutes les baskets j'aime. Enfin là franchement, je vous ai dit, j'ai sélectionné, hein, parce que sinon, demain on y a encore les gars. Oui. Et en fait, je sais pas trop quel modèle exactement je voudrais. Mais juste des Air Max 95, parce qu'en fait, je trouve que la forme, elle est... Enfin genre, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui en ont. Enfin du moins dans mon lycée. Et j'aime bien les couleurs et tout, elles sont pas en mode toute gris, toute noire, toute grise, enfin s'il y en a, mais celles que je prendrais, moi non. Et la dernière, c'est le Saint Graal. Non, sérieusement, je les ai trouvées genre là, tout à l'heure, en cherchant. Et c'est encore des Nike. Encore des Nike, toujours. Franchement, j'aurais dû me tirer les balles, mais franchement, je les aime trop. C'est des Nike Lab Air Max. One, je pense, Royal, mais elles sont magnifiques. C'est-à-dire que à ce niveau-là, les chaussures, en même temps, tu vois le prix, tu te dis, elles peuvent être magnifiques, hein, parce que le porte-monnaie, il aime pas du tout. Hein. Donc ceux-là, c'est genre les baskets de Mali, hein. 225€ la paire, je pense que ma cocotte, avant que tu les aies, va falloir attendre à les... mais elles sont vraiment trop belles. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez des pouces en l'air.
N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si ce n'est pas déjà fait. Je vais essayer d'être plus présente en ce moment sur YouTube. En plus, c'est la fin de l'année, il me reste genre un truc comme un mois de cours, donc ça devrait aller. Cette semaine, je vais filmer plusieurs vidéos et tout, et du coup, j'espère que ça vous plaira.